pense que la Côte des Bars va être très animée pendant toute l'année 2024. Il y aura quelques événements majeurs, notamment la traversée du vignoble de la Côte des Bars par le Tour de France. Et bah, je vous souhaite tous une belle année, pleine de saveurs, plein de gourmandises, et effectivement, bien sûr. Je souhaite une Côte des Bars détendue et insolite. Pour cette année 2024, je souhaite à la Côte des Bars une année riche en fréquentation et en culture, en patrimoine. Je souhaite des événements très riches, notamment à l'abbaye de Clairvaux, à travers des rencontres artistiques, des visites inédites et des événements sportifs. Je souhaite une belle année pétillante et pleine de bulles. Alors, on vous souhaite de beaux moments de partage autour du rosé dérissé. Pour le débat en 2024, ce que je souhaite, c'est que les clients continuent à consommer local, c'est très important. Ce que je souhaite par-dessus tout, c'est une belle année gourmande. Bienvenue chez William Arlotti, la Côte des Bars, je vous souhaite une année forcément étincelante, pétillante, joyeuse. On espère une belle année pétillante et puis une bonne récolte pour tout le monde. Bon, bah alors on ne peut que souhaiter une Côte des Bars pleine d'espoir avec des magnifiques événements sportifs et autres sur notre territoire. Alors pour cette nouvelle année 2024, je souhaite à notre belle Côte des Bars une année sportive avec le Tour de France qui va traverser notre belle région et puis la Côte des Bars à pied qui va sortir bientôt avec beaucoup de randonnées dans notre belle nature. Et maintenant, place à l'année 2024. Oh, la Côte des Bars, mais vous êtes là, une belle et heureuse année 2024. Bonne année 2024. Bonne année. Bonne année. Bonne année 2024. Bonne année 2024. Bonne année 2024. Bonne année 2024. Bonne année. Bonne année. Bonne année.